Au sommaire de cette édition, la taxe RAM, les députés nationaux du FCC ont boycotté la plénière de ce jeudi. Et pour cause, le report de l'audition du ministre Augustin Kibasa sur la question de la taxe, ils envisagent une motion de déchéance. Processus électoral en RDC, l'Église catholique et protestante envisage une voie de sortie des crises. Elles invitent le chef de l'État à jouer son rôle de garant de la nation. Et en sport, 2-0, la RDC a arraché la victoire cet après-midi face à Madagascar. Un score qui place les Léopards en deuxième position du classement dès ses éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le chef de l'État a pris part à cette rencontre. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal. Les députés du Front commun pour le Congo ont exprimé leur mécontentement en séchant la plénière de ce jeudi à cause du report de l'audition du ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa, au sujet du dossier RAM. Et pour avoir boycotté la séance, les élus du FCC annoncent avoir initié une motion de défiance contre le ministre mis en cause. Après avoir constaté les reports de l'audition du ministre de Pétentique Kibasa Maliba concernant le dossier RAM, les élus du Front commun pour le Congo ont boycotté la séance plénière de ce jeudi 7 octobre. Ils exigent que la question sur la taxe RAM soit épuisée avant que le bureau de l'Assemblée nationale ne puisse programmer d'autres matières. Ainsi, ces élus s'inscrivent en faux contre la démarche du bureau de la Chambre basse du Parlement qui est venu soumettre un autre ordre du jour sans fournir des explications claires sur les reports de l'audition du ministre Kibasa Augustin. Bisso, élu, il y a FCC, en harmonie, en communion, la souffrance du peuple congolais. Bisso, Tolobito, Bimina, plénière, Alelo. Au sortir de la plénière, les députés du FCC ont fait savoir qu'ils initiaient une autre motion de défiance contre le ministre Kibasa Maliba. À marge de la plénière du jour, les députés nationaux de la province de l'Équateur ont profité de l'occasion pour s'insurger contre la crise institutionnelle que traverse leur province. Le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur, de charger le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités. Les députés de cette province se réjouissent des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre et félicitent le président Félix Tshisekedi pour l'intérêt qu'il a pour cette province. Déblocage du processus électoral, la CENCO et l'ECC ont dans une déclaration commune sollicité à l'administration de la CENI d'entamer les préparatifs techniques des élections de 2023 et ont invité le président de la République à jouer son rôle de garant de la nation en vue d'assurer au peuple congolais des scrutins crédibles et apaisés. Leurs représentants l'ont dit lors de la conférence de presse. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage
le processus électoral par qui que ce soit. Et sachez que tous les paramètres macroéconomiques de la RDC sont stables. C'est le constat fait mercredi par le comité de conjoncture économique dans sa réunion hebdomadaire présidée à la primature par le Premier ministre Samalou Kondé. Le CCE se dit satisfait de l'accroissement des dépenses d'investissement du gouvernement. Le compte rendu avec le ministre Christian Mwando-Simba. Au niveau macroéconomique, les paramètres sont généralement stables. Il y a une maîtrise du taux de change qui se situe aujourd'hui à l'officiel à 1 franc congolais, à 1 dollar américain pour 1995 francs congolais et au parallèle à 1 dollar américain pour 2039 francs congolais. Et au niveau de l'inflation, la situation de l'inflation est globalement maîtrisée et les projections sont faites pour arriver à un maximum de 4,5% de taux d'inflation alors que le contrat avec le FMI nous projette à 6%. Le Premier ministre a également félicité le ministre des Finances pour les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne l'accroissement du niveau des dépenses des investissements. Nous étions à plus ou moins à 3% des dépenses d'investissement globalement. Nous sommes passés à environ 8%. Le comité de conjoncture a demandé que toutes les dispositions soient prises par le ministre de l'Économie et les ministres concernés pour que les stocks soient disponibles et qu'on crée l'abondance pour les festivités de fin d'année. La lutte contre la fraude minière reste encore un défi. Le comité de conjoncture économique qui dit constater sa persistance salue néanmoins les efforts du gouvernement provincial du Lualaba. Le chef du gouvernement qui félicite le gouverneur intérimaire de cette province demande à tous les autres gouverneurs de suivre son exemple. Il a été constaté la fraude qui persistante dans le secteur minier. Notamment, il a été arrêté au niveau du Lualaba 17 containers de 40 tonnes de cobalt. Pour cela, le Premier ministre a tenu à féliciter la gouverneure du Lualaba et a demandé à tous les autres gouverneurs, notamment ceux du Haut-Katanga et ceux de l'est du pays, du Kivu, du Sud-Kivu, du Nord-Kivu et de l'Ituri, de suivre le même mouvement. Il a demandé que toutes les dispositions soient prises pour que les auteurs de ces fraudes soient sévèrement sanctionnés. Après avoir annoncé des mesures sévères contre les écoles conventionnées catholiques et les écoles publiques qui ne se conformeront pas aux directives du ministre Tony Mwaba de lever la grève dans leurs établissements respectifs, face à cette situation, l'équipe du ministre a fait la ronde dans certaines écoles conventionnées pour faire le suivi du respect des mesures prises par le ministre de tutelle. Ce jeudi, dans l'avant-midi, la délégation du ministre Tony Mwaba, composée du secrétaire général Aïdé Lepesté, de l'inspecteur général de Lepesté, les dirkaba du ministre et des conseillers au ministère, s'est rendue dans deux écoles conventionnées catholiques pour suivre de très près l'évolution sur les respects des mesures prises par Tony Mwaba. La première école visitée, c'est le collège Boboto. Ici, un PV d'absence a été établi après constat physique et signé par le responsable pour la procédure de désactivation des absents. Et celui qui refuse de venir donner cours, il sera désactivé. Ensuite, non loin de là, le lycée Bosangani, pour la même raison. La direction est soutenue par les élèves de ces deux écoles qui remercient le gouvernement via le ministre Tony Mwaba de son implication totale comme une véritable garantie de la gratuité. Et ce sont tous deux professeurs. Mais il n'y a pas que ces deux professeurs. Tous les professeurs ne sont pas là. À l'issue de cette tournée, une déclaration commune a été lue par le secrétaire général Haï qui interpelle au respect des textes et au sens des responsabilités. Pour le collège Boboto, l'enseignant Ilunga Mvita Kabambani, l'enseignant Kabulu Ntambo Etete sont des activités du fichier de la paix. Pour les lycées Sacré-Cœur, nous avons l'enseignant Bantete Bangebeni. Nous avons l'enseignant Atanyoi Omakinda. Et tous ceux qui ne vont plus se présenter doivent subir la même rigueur de la loi. Entre-temps, le constat fait état d'une rentrée effective sur le terrain, malgré les boycotts de certaines écoles catholiques dont les enseignants continuent à s'absenter
dans la salle des classes. Parlons de l'organisation prochaine des ateliers de rationalisation des structures des prix et services de la santé qui poursuit son bon nombre de chemins pour une bonne préparation de ces assises. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, réunit autour de lui les différents acteurs du monde de la santé. Tout est parti d'une réflexion du ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba, qui a du mal à comprendre les écarts concernant les prix des différents produits pharmaceutiques. Sur ces, le patron de l'économie a réuni les différents acteurs du monde de la santé dans le but d'une bonne préparation de l'organisation prochaine des ateliers des rationalisations des structures de prix et services de santé. Eh bien, nous avons été associés par rapport à la réflexion soulevée par le ministère de l'économie nationale. Nous avons apporté notre contribution parce qu'il y a les aspects financiers, économiques et du médicament et des soins, mais il y a aussi l'aspect social et du médicament et des soins. Donc cette combinaison de réflexions permettra à ce que le gouvernement de la République puisse rendre et les médicaments et les services accessibles à la population. Dans un autre registre, le ministre Kalumba a reçu le caucus des députés élus du Nord Ubangi. Discussion au cœur du respect scrupuleux de l'arrêté ministériel fixant les prix des billets d'avion dans les réseaux domestiques. Ce qui nous concerne, nous avons remarqué depuis que son excellence a pris l'arrêté, cet arrêté n'est pas respecté chez nous, surtout par les opérateurs économiques privés. C'est ainsi que l'excellence nous a rassurés. En notre présence, il a appelé même ses opérateurs économiques pour dire à partir de la semaine prochaine, on doit respecter les tarifs. Alors qu'il a arrêté fixe les prix de la distance Kinshasa-Guadolite à 148 dollars, les compagnies aériennes accusées de fixation illicite de 325 dollars et 300 dollars par les caucus sont Air Kasaï et Colibri Air. Soutenir et encourager les pharmaciens en cette période de l'état de siège, c'est un devoir civique et patriotique pour tout Congolais et prix de paix. Des messages d'encouragement à l'armée proviennent des tous bords en province de l'Ituri. En cette période où les FRDC sont à la poursuite des groupes armés sur l'axe commande de la zone de Ngongo et Libri, en territoire de Djougou, à 18 km de la ville de Bounia, deux messages de soutien et d'encouragement à l'armée nationale et de sensibilisation des communautés, fils de partout. Dernier cas en date est celui du député provincial Kambale Ngendo et Christian Chaouri, coordonnateur de jeunes LUDER de l'Ituri. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Sans la paix, rien ne marche. Nous avons notre armée. L'armée congolaise FRDC. Nous devons soutenir cette armée parce que c'est la seule que nous avons. Cette armée doit se battre et assumer son rôle régalier, l'assurer, jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Au besoin même, notre demande, c'est imposer cette paix. En tout cas, notre soutien est total à toutes les actions des FRDC pour le retour de la paix. Face à la campagne d'intoxication et de manipulation d'une certaine opinion contre l'état de siège et ses animateurs, le général Christian Chaouri apaise les esprits, la paix d'abord et la politique après. Nous invitons toutes les communautés de l'Ituri de ne pas céder à tous ceux qui viendraient comme les gens qui veulent créer la division dans la communauté. Nous les invitons de ne pas céder aussi à toute manipulation politicienne. Et nous les demandons de ne pas aussi communautariser les opérations militaires. Qu'ils puissent laisser l'armée faire son travail. Nous demandons à toutes les communautés de rester derrière les forces loyalistes, les FRDC. C'est depuis plus d'une semaine que le FRDC, sous le commandement du lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny, mène les opérations d'imposition de la paix en territoire de Djougou et Irumu, dans les Wallis, Vankoutou et Basili, pour la stabilisation de l'Ituri. La province de l'Équateur, jadis placée dans les oubliettes selon ses filles et fils, aura dans les tout prochains jours son premier lot de bus Transco. C'est l'essentiel des entretiens qu'a eu lieu mercredi le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila Likombo, et la délégation de la notabilité élargie aux membres de la société civile et de la jeunesse de la province de l'Équateur. La nouvelle sur le déploiement de bus Transco dans la province de l'Équateur est une bonne nouvelle pour la population de Mbandaka, Bansankusu, Bikoro, Ingende et d'autres territoires où les vélos est jusqu'à ce jour le seul moyen de transport utilisé par la majorité de ses habitants. Et en ce qui concerne les transports urbains, nous avons des problèmes pour le transport des biens et des personnes. Puisqu'on ne peut pas parler d'un développement sans qu'il y ait ces moyens de transport.
et surtout de biens et de services qui doivent être commercialisés, qui doivent être emportés. Et ça fait aussi un revenu. Et nous remercions à travers son excellence, même son excellence, monsieur le président de la République, puisqu'on voit que c'est l'un des axes que le gouvernement aussi a mis dans sa politique. Pour réaliser ce projet, des études de faisabilité devront être menées, à en croire Marc Ekilali Kombo et Chief Chipamba, respectivement vice-ministre de transport et les directeurs généraux de Transco. Dire que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, vient d'inaugurer une ère nouvelle. Les notables de l'Équateur ont par la même occasion présenté leur civilité au vice-ministre de transport. Toujours avec l'Équateur, à Mbandaka, la cérémonie a été organisée à la police nationale de cette province pour la reconnaissance des grades des policiers promus récemment par le président de la République. 152 officiers supérieurs et subalternes de la police nationale congolaise, dont 10 femmes, tel l'effectif promis par les toutes dernières ordonnances du président de la République pour les comptes du commissariat provincial de l'Équateur. La cérémonie de prise d'armes de reconnaissance des grades de 10 policiers, organisée par le commissariat provincial et présidée par le gouverneur des provinces de l'Équateur, a eu lieu à Mbandaka au stade Bakusu le mercredi 6 octobre 2021. Au cours de cette cérémonie, le commissaire supérieur principal Guylain Sangwa, commissaire provincial AI, et le gouverneur de province Boloko Bolumbu Bobo se sont succédés pour exhorter les promis à rester toujours loyaux au service de la République. La police, nous sommes là pour sécuriser les personnes et leurs biens dans le maintien de l'ordre public et le rétablissement de l'ordre public avec des gardes rapprochés pour les hautes autorité. Signalons que cette parade qui s'est terminée par un défilé des troupes était saluée par la présence de hauts cadres de l'administration et de membres de familles de heureux promis. Plus rien ne va arrêter la tenue effective de la première édition de la Semaine mondiale du tourisme au Lualaba, prévue du 9 au 13 octobre 2021. Au cours de sa brève mission à Kinshasa, le gouverneur intérimaire était reçu par le ministre du tourisme. Fifi Masuka Saini et Moderon Simba ont harmonisé leur vue sur les conditions de réussite de ces assises de haute portée internationale. Fifi Masuka Saini était aussi au ministère du tourisme. Le ministre Moderon Simba et l'autorité provinciale du Lualaba ont harmonisé leur vue sur la tenue effective de la première édition de la Semaine mondiale du tourisme qui aura lieu du 9 au 13 octobre 2021 dans la province du Cobalt. Pour le ministre du tourisme, le choix du Lualaba se justifie par le fait qu'il renferme, entre autres, la source du majestueux fleuve Congo et les sites les plus riches à minerais au Congo-Kinshasa. Lualaba, source du fleuve Congo, Lualaba, capitale minière aujourd'hui sur les cobalt, vous le savez bien. On ne peut pas avoir 10 à 15 000 investisseurs ou expatriés qui travaillent dans un espace sans évoquer le tourisme. Et nous voulons prouver à travers le monde que nous sommes un pays fréquentable, à travers des investissements qui sont aujourd'hui dans la province de Lualaba, non pas investissement privé. Nous pouvons vous dire aujourd'hui, le tourisme, c'est aussi ce qui s'est fait au niveau de l'aéroport de Lualaba, qui sera la première moderne après l'indépendance, qui sera un atout pour le tourisme. Fifi Masuka a mobilisé les opérateurs économiques du Lualaba et autres personnalités du pays et du monde entier pour la réussite de ces activités inédites du tourisme dans sa chère province. Ils nous sont venus échanger par rapport au programme de lancement de la semaine touristique au Lualaba. C'est le tourisme en République démocratique du Congo. Nous remercions le ministre d'avoir choisi le Lualaba et c'est sur ça que nous sommes venus essayer d'échanger, voir là où on en sommes aujourd'hui. Nous pouvons vous dire qu'à 100% nous sommes prêts.
La rentrée scolaire a été effective au complexe scolaire Inamizi dans la province du Lualaba. La formation en faveur de la jeunesse et des enseignants à la logistique de cette école, tout a été mis en place pour une année scolaire réussie. C'est la rentrée scolaire au complexe scolaire Inamizi. Il est 7h, les élèves arrivent, certains accompagnés de leurs parents. À l'entrée, test Covid cache-nez obligatoire. La cour reprend son ambiance au complexe scolaire Inamizi. Le bambin de la maternelle, sous les charmes, n'hésite pas à offrir le quelques caprices devant leurs enseignantes, prêtes à donner le meilleur. D'une salle de classe à une autre, l'ego de la matière est donné. Les élèves sont déjà dans le moule de la transformation. Ici, les directeurs de l'école rassurent. Des enseignants du 27 jusqu'au 30. Après le 30, maintenant, nous avons accueilli les enfants le 4. Alors, nous avons eu quand même quelques enfants, puisque d'autres parents doutaient de cette rentrée. Les complexes scolaires Inamizi a aussi disponibilisé les bus scolaires pour les transports des élèves, rassure la gestionnaire Gisèle Mwenda. Ceux-là qui gardent encore les enfants à la maison, que Dieu les aide vraiment, qu'ils puissent avoir l'argent pour acheter les fournitures, les uniformes, afin qu'ils nous amènent les enfants, parce qu'ils sont déjà inscrits, mais tout l'effectif n'est pas encore atteint. Les complexes scolaires Inamizi marquent d'un grand pas. Et c'est parti pour l'année scolaire 2021-2022. Les filles et mamans de la commune de Likassi dans le Haut-Katanga se sont mobilisées tous azimuts pour aller rendre hommage à leur fils Olivier Kiboko Munongomsiri et célébrer sa remise en fonction en tant que bourgmestre. Elles sollicitent par la même occasion le bénéfice de la redevance minière pour l'intérêt de leur entité. C'est une ambiance très particulière qui a vécu le week-end dernier au bureau communal de Likassi dans le Haut-Katanga. Tenez, ayant appris avec enthousiasme la réhabilitation de l'honorable Olivier Kiboko Munongomsiri dans ses fonctions de bourgmestre de la commune de Likassi, cela après quelques années d'absence, les mamans et jeunes femmes de cette municipalité se sont mobilisées pour venir accueillir avec joie et jubilation leur fils. À cette occasion, des présents lui ont été remis en signe d'amour pour celui qu'elle qualifie de porte-étendard du bien-être de la population de cette entité. Je vous exhorte de soutenir sans condition le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui on peut promettre son deuxième mandat ici à Likassi avec moi Kiboko. Elles ont par ailleurs saisi la balle au bon pour formuler quelques doléances à l'intérêt de la communauté locale. C'est notamment la quote-part de la redevance minière due aux entités territoriales décentralisées que leur commune ne bénéficie pas jusqu'ici, alors que l'un de ses 8 quartiers, c'est-à-dire Kamatanda, abrite un carré minier important exploité par des grandes entreprises minières. Olivier Kiboko leur a promis de transmettre auprès du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katwe, pour que solution soit trouvée. Tu l'indiques à gouverneur Mukanda Yakuseme Mina Mukubwangu Tunapatana de tout développer Likassi. Face au retour de celui qui incarne la vision de développement et du changement de la commune de Likassi, les prêtres catholiques, vicaires et abbés n'étaient pas en reste. Ils se sont également rendus au bureau communal afin de bénir l'homme et tous les bureaux en présentant quasiment les mêmes doléances. Ils ont en définitive souhaité un agréable retour à leur fils Kiboko Munongomsiri. Dans l'actualité également, le gouverneur ad intérim du Olomami tient au développement de sa province qui passe par la réhabilitation des infrastructures de base. Voilà qui explique sa tournée effectuée sur différents chantiers en cours d'exécution à Kamina. C'est là pour offrir une fluidité du trafic en ce début de la saison pluvieuse. Dans les soucis de se rendre compte de l'évolution des différents chantiers en cours d'exécution à Kamina, le gouverneur ad intérim du Olomami Kabamba Ilongwa Batame, qu'entouré les différents techniciens, a fait la ronde ce mercredi 6 octobre 2021, car Dame la pluie a annoncé ses couleurs. D'abord, c'est au niveau du pont Cadel, où l'office de voirie et drainage est en train d'intervenir pour assurer la fluidité du trafic. Et surtout que cet endroit est beaucoup fréquenté par les élèves. Sur place, le numéro 1 de la province a donné les instructions claires et nettes pour que la population retrouve son sourire. Que nous avons reçu une bouffée d'oxygène qui a relancé même la direction de l'office de route à avoir ce courage pour faire ces travaux d'intervention sur ce tronçon. Sans quoi, eh bien, cette route, la circulation serait déjà interrompue.
Gratitude et remerciements au président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Gratitude et remerciements au gouvernement de la République avec le Premier ministre Samalou Kondé. Dans cette itinérance, le représentant du chef de l'État en province est allé sur la nationale numéro 1, tronçon Kamina-Kibula, au sud, à 48 km, où l'office de route intervient au niveau du ruisseau Koyemweni. Nous risquerions d'interrompre la circulation, c'est pourquoi le directeur de l'office de route s'est attelé à planter ces piliers pour que nous puissions au moins pendant d'ici la fin de la saison de pluie continuer à assurer la circulation des personnes et des biens sur ce tronçon. Ici, Jean Bika et Timanga rassurent, les travaux vont bon train. Par ces soucis, Kabamba Ilongwa Batame veut offrir aux populations du Olomami les bonnes conditions de circulation. Souci du gouvernement la République. L'atelier du groupe EDO sur le renforcement des capacités et développement économique en République démocratique du Congo s'est clôturé hier à Kinshasa, animé par un groupe d'experts techniques. Cet atelier a permis aux participants de comprendre les rouages sur l'économie du pays et des stratégies pour la croître. Tout le monde doit avoir des bénéfices. Cet atelier avait pour objectif de mettre en place des pratiques innovantes, créer des revenus et adopter des stratégies du modèle EDO pour accroître l'économie congolaise. Notre but, c'est d'amener les investissements pour développer ce pays. Les investissements corrects, durables, qui vraiment vont bénéficier tout le monde. Nous espérons d'être partenaires de gouvernement dans beaucoup de projets et on compte rester ici pour très longtemps. Alors j'espère qu'on va pouvoir aider beaucoup de gens. Une délégation des investisseurs du groupe EDO a été reçue par le ministre Chériban Okende pour exposer la vision qu'ils ont dans les domaines des infrastructures et surtout dans les domaines des transports. La vue est ce que EDO pense faire pour le Congo. Voilà. Le ministre a été très réceptif. Vous savez, nous avons besoin des investisseurs, nous avons besoin de développer nos infrastructures et un tel projet ne peut être que soutenu par le ministre et il a été très réceptif. Je pense que très bientôt, il aura quand même une équipe et une commission qui sera mise en place pour essayer d'analyser le fond du dossier et donner un coup de pouce à ce dossier. Installée en RDC, depuis près de 2 ans, la structure australienne EDO n'attend que l'implication de l'État congolais pour booster son économie. Le sénateur Rigen Bakonga, au chevet de la population du quartier Pakajuma dans la commune de Limété, victime de l'incendie il y a quelques jours, après avoir apporté des tôles à ses familles qui y passaient la nuit à la Belle Étoile, Rigen Bakonga est revenu cette fois pour apporter à chaque famille une assistance financière. Aussitôt après l'incendie qui s'est déclaré à Pakajuma il y a quelques jours, le sénateur Rigen Bakonga est venu promptement à la rescousse de la population de ce coin de la capitale qui vivait dans des conditions très difficiles. Après avoir constaté le dégât sur place, le sénateur avait promis de revenir dans un bref délai pour apporter assistance à toutes ses victimes. Et c'est ce mercredi 6 octobre qu'il a concrétisé sa promesse. Le mois passé, nous avions remis des tôles et quelques bois pour leur permettre de construire ces différentes maisons. Alors la raison qui justifie maintenant aujourd'hui notre descente, c'était juste de leur remettre chaque sinistré un petit rien pour leur permettre d'acheter des chaises, des radios et puis des télés et puis des mousses. Rigen Bakonga a salué par la même occasion la promptitude avec laquelle le ministère de l'Aménagement du Territoire a traité ce dossier, ce qui a permis à la population de Pakajuma de pousser un ouf de soulagement. Nous devons tous être derrière le gouvernement, mais aussi d'accompagner la vision du président de la République qui est toujours plus proche de la population. Le gouvernement congolais, par les truchements du ministère de l'Urbanisme et Habitat, est appelé à prendre des précautions pour limiter les dégâts lors des pluies torrentielles qui s'annoncent à Kinshasa, non seulement à Pakajuma, mais aussi dans certains coins périphériques de Kinshasa. Après l'hôpital général de référence de Makala, ex-sanatorium, le lycée Matongé, l'église Jésus-Christ des Saints des derniers jours, la fondation Henriette Ouamou vient de doter le centre de santé de référence de Kimbanzi, situé au quartier Maboulou, dans la commune de Makala, d'un forage. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre provinciale de la Santé, Hygiène et Prévention, Lisa Nembalemba. Ce don
traduit les fruits d'un plaidoyer mené par la Fondation Henriette Hamou auprès des responsables de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les centres de santé de référence des Kimbanzi, dans la commune de Makala, située à l'aire de santé des Maboulou, offrent de soins de santé à plus de 50 000 habitants, mais ils travaillent dans des conditions qui laissent à désirer, caractérisées par les manques d'électricité, d'eau potable et des matériels appropriés. Très touchée par cette situation, celle qu'on appelle affectueusement la maman sociale avait vite saisi l'église des Jésus-Christ des Saints des derniers jours afin de venir en aide à cette population de la commune de Makala, sa circonscription électorale. Plaidoyer réussi pour Henriette Hamou, l'heure et à l'inauguration de ses forages. Ayant constaté avec amertume que la commune de Makala, qui fait partie intégrante de mon fief électoral, avait une carence en eau potable, j'ai décidé, dans le cadre de la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mener un plaidoyer auprès de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui a promptement accepté de réaliser le forage. Cet outil va permettre à coup sûr à une frange importante de la population de la commune de Makala à avoir accès à l'eau potable. Présents à cette cérémonie, les potentiels partenaires de la Fondation Henriette Hamou s'expriment. L'eau est une substance vitale pour l'homme et l'Église fait des œuvres de charité. De son côté, la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nimbalimba, a invité les médecins directeurs de cette formation hospitalière d'en faire bon usage. Il s'est dénoté que ce forage va soulager tant soit peu les habitants de ces camps de la capitale. Et en sport, je le disais en titre éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, enfin les Léopards de la RDC enregistrent leur première victoire dans le groupe J. Eh bien, les fauves congolais ont réussi à battre les Baréas de Madagascar sur le score de 2-0 au match comptant pour la troisième journée. C'était en présence du premier sportif congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et la quatrième journée se jouera ce dimanche à Madagascar. Place à présent au rappel des principaux titres. Eh bien, au sommaire, nous avons évoqué la taxe RAM. Les députés nationaux du FCC ont boycotté la plénière de ce jeudi. Et pour cause, le report de l'audition du ministre Augustin Kibasa sur la question de la taxe. Ils envisagent une motion de déchéance. Processus électoral en RDC, l'Église catholique et protestante envisage une voie de sortie de crise. Elles invitent le chef de l'État à jouer son rôle de garant de la nation. Et en sport, 2-0, la RDC a arraché la victoire cet après-midi face à Madagascar. Un score qui place les Léopards en deuxième position du classement des ces éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Le chef de l'État a pris part à cette rencontre. Ce journal est terminé au nom de la réalisation. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.